gagnâmes le Far West à la recherche de mon ancêtre, Tennessee Kid Cooper. Un hors-la-loi légendaire dont certains des braquages sont les plus audacieux de l'histoire des Cooper. Nous mîmes un certain temps à le localiser. Mais nous le trouvâmes finalement en prison. Son arrestation était l'œuvre du shérif local qui avait fêté l'événement en posant des affiches à son effigie partout dans la ville. Quel égo démesuré. Nous devions absolument libérer Tennessee. Mais après une série de calculs frénétiques, Bentley détermina que la meilleure solution était d'agir de l'intérieur. Pour la première fois de ma carrière, j'allais devoir me laisser attraper. Et c'était très loin d'être gagné. Donc, bonjour tout le monde, avec cette cinématique, on se retrouve dans le pays du western, et avec les cowboys, les shérifs, et les chevals, et les... Bon, mais vous voyez un peu le genre. Donc juste avant, qu'est-ce que... Destruction sur le sol, le temps de rien nuit, appuyer sur l'ambiance de la vie de l'homme. Je l'avais fait, hein. Ouais. Appuyer sur carré en face d'une bombe prête à exploser pour la projeter en avant. Munitions électriques. Lancer des flèches et des bombes électriques. Ah, ça j'aime bien. Ouais, ok, qu'est-ce que je pourrais reprendre d'autre? Je pourrais prendre ça au pire. Même si ça coûte beaucoup, pas. Ok, on va tout de suite se lancer avec Sly dans le Western. Les objets que je viens d'acheter sont accessibles à partir du menu des gadgets en mettant la touche L2 enfoncée. Choix de costume. Ouais, mais je m'en fous, c'est pas ça. Je m'en fous de mon costume. Bref. Ok, donc nouvelle région. Elle semble assez, assez grande, merci. Sly, il prépare déjà la potence pour Tennessee. Alors on n'a pas le temps d'élaborer un plan compliqué. Toutes les données que j'ai récoltées concordent. La façon la plus rapide d'entrer dans cette prison, c'est que toi aussi tu te fasses arrêter. Que je me fasse arrêter? Je te crois, Bentley, mais j'ai pas franchement envie de croupir dans cette ville. Désolé, Sly, mais c'est le seul moyen de libérer Tennessee à temps. Il n'y a qu'un seul problème. Ils ont emprisonné Tennessee dans le quartier de haute sécurité. Pour qu'il t'y enferme aussi, tu vas devoir t'élever au rang de hors-la-loi. Il va donc falloir que tu te tailles une réputation avant de te faire attraper. Sinon, ils te mettront avec les criminels ordinaires. Ah, tu parles des gens qui traversent en dehors des clous. Jamais de la vie. Eh bien, disons que par ici, il s'agirait plutôt de voleurs de poulets et de chiqueurs de tabac. Enfin, tu vois le genre. Pour commencer, qu'est-ce que tu dirais de défigurer toutes les affiches du shérif qu'il y a en ville? Ça devrait le faire monter sur ses grands chevaux. T'as compris? Vu qu'on est dans le Far West. Enfin, bref, je ne te retiens pas plus longtemps. Quelle bonne blague. Bref. Je pense qu'il a bien tout bien expliqué. Donc là, il faut vraiment aller. Oh, wow, ok. Il va se retourner, je pourrais y aller. Vas-y, retourne-toi. Ok, il se retourne pas. On va y aller pendant qu'il est comme ça. Hop. Trouver une affiche, lui faire des moustaches et passer à la suivante. Comme au collège. Magnifique, Sly. À vendre. C'est le shérif. J'ai trop de talent en dessin. Faites attention. C'est très très le talent du dessin. Ok. Est-ce qu'il va avoir un garde ici? Oh, le train, putain! Le train! Ok. Oh, je parie que l'artiste est devenu aveugle à force de fixer ce type. Quand même. Hein. Oh, il va détester celle-là. Stink. Wow. Trop bien les noms. Hein. Ok, par où? T'attends. Allez, cette fois-ci. Je pense qu'on va monter peut-être en hauteur, ça va peut-être nous aider. Je crois de toute façon, ouais, ok, par là-bas, ok, c'est hyper loin quand même, il faut aller. Hop. C'est pas exactement à côté, hein, faut qu'on aille. Hop, hop,
Je pensais que ça allait un petit peu plus vite, mais non. On prend la bouteille en même temps. Et il y en a une autre là-bas. On va la prendre aussi. Hop. Je sais même pas en plus c'est quoi ça. Ok. C'est un ennemi, mais qui donne quasiment rien. Je ne collerais pas ma tête partout si j'étais aussi moche que ce type. Ok, il m'en reste plus que 3. Et pour le moment, tout va pour le mieux. Est-ce que je peux monter ici? Ouais, ok. Pas trop comme ça que je voulais faire. Hop, juste reprendre ma hauteur que j'allais. Je vais courir où qu'il y a le train, mais bon, je crois pas me faire intercepter par le train vu qu'il est là-bas. Elle est où cette affiche? Ok, elle est juste ici. Hop. Je crois que prétentieux est encore trop faible pour ce type. C'est super, Sly! C'est trop des beaux dessins. J'aurais dû devenir dessinateur. Je ferai carrière là-dedans, c'est sûr et certain. Ok. Où est le prochain? Sont quand même assez loin, vraiment comme je vous disais, le monde est assez très vaste. Vraiment, je pensais pas que ça allait être si grand que ça, mais ça semble assez grand comme niveau. Bon, il n'en reste plus que un. C'était pas facile. Celle-là, c'est tout spic, fais-moi peur. La dernière, elle est ici. Et parfait. Ce type a un sérieux problème d'ego. Je crois que tu viens de décrocher le prestigieux statut de trouble fête. Ça me hérisse vraiment les écailles. Je vais mettre la patte sur cet artiste et lui écraser les pouces. Et peut-être son petit doigt. Ah! Il a vraiment un paquet de temps contre nous, Sly. T'es prêt pour la phase 2? On ne peut plus près. Apparemment, le shérif adore aussi les sucettes. Mais celles qu'il aime par-dessus tout sont fabriquées à Cuba. Et il doit les faire venir spécialement. Il paraît qu'elles ont le goût de chili con carne. Oh, Burke! Exact! Mais si on les lui vole, il devra attendre des semaines pour la prochaine livraison. Et ça, ça va vraiment le mettre en boule. Ok. Donc en gros, faut tout faire pour le faire chier, quoi. Date stratégie pour être hors la loi. Faites attention, les amis. C'est la façon pour être hors la loi dans la vie. Il faut faire chier les gens au pouvoir. C'est quand même sympa, hein, quand même. Donc là, je peux pas l'utiliser. J'ai besoin d'avoir toutes les bouteilles. Mais bon, c'est un peu fou avoir toutes les bouteilles. Surtout dans un let's play quand j'ai envie juste de découvrir le jeu et non de me casser la tête sur... Surtout en général, hein, puisque je le ferai de mon côté à 100% pour récolter tous les trucs, parce qu'il y a sûrement des bonus très 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 intéressants. Mais pour le let's play, je crois pas vraiment le faire, je l'avais dit de toute façon. Ok, il y a plusieurs sucettes. Ça part en couille ce truc. Hein. Ok, il va falloir trouver les autres. Parce que lui il les range, parce qu'il aime bien les ranger. Hein. C'est totalement logique. Je sais pas, je mettrai pas mes sucettes n'importe où. Moi je lui ferai très 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 attention de savoir. Ouais, merde, c'est pas ce que je vais faire. C'est pas grave. On va aller voir la prochaine. Ok, il faut monter un petit peu en hauteur. Je vois pas vraiment, elle est où? Ah, elle est de l'autre côté. Je la vois vraiment pas, elle est où? Observez la banderole de toute pique. Ok, faut juste tout simplement que je monte. Parfait! Tout se déroule comme prévu! Tu seras bientôt derrière les barreaux! Comment dire? Ton enthousiasme à vouloir m'envoyer en prison m'inquiète un peu, Bentley. Purement professionnel, Sly.
En parlant de ça, au cas où tu n'aurais pas remarqué, ce shérif tout spic est carrément fan de lui-même. En fait, on dirait qu'il organise un festival en son propre honneur, et il bat son plein. Si tu parviens à détruire cette banderole, tu lui porteras le coup fatal. Ok, je vais aller ruiner la fête de Snaz. Trop méchant quand même, hein. Trop méchant. Donc je dois démolir, si je comprends bien, donc il va falloir que je trouve une façon de pouvoir monter. Sinon je vois pas comment, je peux pas faire ça comme ça, ça ne fonctionne pas. Il va falloir juste que je trouve une façon de pouvoir monter. Exactement à cet endroit, et je sais vraiment pas par où monter. Là je suis en train de me mettre les pieds dans les plats. Ok. Lui m'a complètement pas vu. J'étais à 2 cm de lui, tu sais. Ouais, lui, il faut pas qu'il me voit non plus. Plus j'ai juste de remarquer, c'est des renards. Oh, what? L'attaque spéciale qu'il vient de faire. Je vais prendre la bouteille ici. Hop. Et là, je peux aller sur cette banderole. On n'arrive pas à croire que ce type organise une fête pour se remercier lui-même. D'accord. Voilà la banderole. Et voilà, et voilà, et voilà. Je cherchais. Oh, hey amigo. Tu viens de décrocher une place d'honneur dans le pire trou du Far West. Ok, donc on vient de perdre Sly, mais bon, c'est quand même original, je trouve, l'idée d'avoir le costume du prisonnier, donc avoir un nouveau costume de cette façon. Je trouve ça plus original que l'autre, donc c'est en faisant une mission qu'on a débloqué ce costume. Je trouve ça très original, c'est pas super méga original non plus, mais t'sais, quand même. Donc on va se retrouver avec Bentley. Ok, donc il va falloir se rendre vers la prison. Je crois bien, hein, il va falloir trouver une façon d'aider Sly parce qu'on l'a un peu mis dans la merde. Mais bon, on n'avait pas trop le choix. Et de toute façon aussi, en parlant autre, juste avant de prendre l'émission, juste avant... Oh merde, je t'ai pas vu toi. Mais comment qu'on fait? Ah ok, c'est là les capacités spéciales. Munition anesthésiante. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Est-ce que je l'ai eu? Bon, je pensais que je l'ai... Ah putain, tombé jusqu'en bas, attendez. Prendre les munitions explosives, ça va être mieux comme ça. Mais bon, pendant que je remonte, je vais vous expliquer ce que je voulais expliquer. C'est tout simplement que la fin du mois de mai arrive à grands pas, hein, quand même, très rapidement. Donc Mario Kart, j'espère que ça vous fera toujours aussi plaisir que je le fasse. J'espère bien, hein. J'espère que ça vous fait pas chier. Donc je vais faire de toute façon une vidéo dans le courant du temps. Pour vous en parler en plus de grands détails. Donc là, je dois aller voir par là-bas. Il ne faut surtout pas que j'alerte les gars. Ouh, la bombe que je viens de lancer. Totalement à côté. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Putain, quoi qu'il me voit, hein. Hop. Ah, il m'a vu quoi. Même si j'étais à côté de lui. Pas normal. Pas normal. Je sais pas si on peut le tuer quoi. Ok, mais il est imbécile quoi. Bon, je vais laisser tomber. Je vais y aller en mode furtif. Je vais changer en mettant les munitions anesthésiantes. Comme ça va les endormir. C'est trop chaud à avoir quoi. J'essaie de lui lancer. Ça va, cette fois-ci. Voilà. C'est quand même chaud à réussir, hein, ce genre de truc. Sly et Tennessee sont dans cette grande tour. Je dois absolument la prendre en photo. Ok, quels sont les autres emplacements que je dois prendre pour finir ce niveau qu'il faut que j'aie extrêmement loin. Juste prendre cette bouteille. Hop. Merci.
J'aime pas trop comment que Bentley il se déplace, je le trouve hyper lent. C'est un peu dur d'avoir un perso hyper lent. Je trouve que comparé à Sly, on peut beaucoup plus se promener. Hop, il m'a pas vu. Tu m'as pas vu. Ce signe est intéressant. Je vais le prendre en photo. Non, si je ne m'abuse. Oui, c'est un dépôt de munitions. T'es pas con hein, non plus. Au moins, t'es pas aveugle. Oh, je pense que lui, il m'a vu. Oh merde, y'a plus rien par ici. Okay. Je pensais que ça continuait, mais y'a vraiment plus rien. Ah, ok, donc là, il va falloir trouver une façon de pouvoir tout esquiver. Comme ça. Ou si simplement. Faut des fois pas trop se casser la tête, hein. Faut faire les trucs simples. Ah, ok. Bah non, toi, salut. Il n'a rien vu. Je suis parti en ne voyant rien. Il y a une bouteille que je viens juste de passer à côté. Non, et là je voulais pas retourner par ici. Et où le dernier endroit? Comment je fais pour m'y... Ah ok. Ah ok. Beaucoup plus simple que ce que je pensais. Hop. Exactement ici. Oh, oh, la structure du mur arrière est clairement fragilisée. Salut. Salut vieux. En direct, t'as mis ce bon vieux tout speak dans tous ses états. Ça me plaît. C'est quoi ton nom? C'est Sly. Sly Cooper. Écoute, fiston, il faut que tu saches que j'aime pas beaucoup les gens qui se moquent de mon nom de famille. Hop, 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 hop. Je te jure, c'est pas une blague. Je vais t'expliquer. Le blabla, très peu pour moi, ok? Y'a qu'un moyen de prouver que t'es un Cooper. Fais-nous sortir de là. Ok. Mon pote Bentley, il travaille. Enfin, j'espère. Donc. Je crois finir cet épisode ici. Je sais pas s'il y a vraiment plus de trucs à faire, mais bon. Je crois finir cet épisode ici et continuer un peu plus tard. Donc, merci d'avoir écouté et on se revoit dans le prochain épisode. Salut tout le monde.